Ah, cette forêt, elle est vraiment agréable. Si vous entendez les petits oiseaux et tout. C'est une immersion totale. Ça doit être habité aussi. Hein. Parce que hier soir, et même ce matin, hier soir, Funky, elle a traîné partout. Elle m'invitait à aller là-bas. Et elle m'invitait. Je sentais qu'elle était stressée, quoi. Alors je me dis, c'est pas des cochons parce que elle est bête. Quand elle voit des sangliers, elle fonce dessus. Elle n'a pas compris que si elle se prend un coup de défense, elle se fait tordre. Quand c'est des cervidés, en général, elle marque les arrêts. Et là, non, là, elle faisait plutôt comme quand elle rencontre des chiens. Le poil hérissé, la queue basse. Alors, soit il y avait des chiens errants, soit il y avait des loups. Et le coup qu'elle m'a fait en bas, là, elle était vraiment stressée, hein, vraiment. Hein. J'ai rarement vu comme ça. Hein. Je crois que je l'ai même jamais vu comme ça. C'est pour ça que je suis parti. Sinon, c'est une grande forêt. Hein. J'ai envoyé le criquet, là, tout à l'heure. Et ça s'étend loin. Là, malgré que la route, elle est peut-être à une centaine de mètres, j'ai pas entendu une bagnole depuis hier. Franchement, ça fait un bien, mais ça a marqué la différence avec Langogne. Oh, Langogne, c'est un joli village, hein. Mais il faut y arriver à pied ou en bagnole. C'est vrai que quand on est en vélo, il y a toujours ce truc danger de la route, tout ça, là. Et on se rend compte de... Surtout quand on fait des balades comme ça et qu'on est toujours immergé dans la nature, d'un coup on se rend compte qu'il y a un décalage avec avec ce qui existe. Quoi. On se rend vraiment compte que nos façons de vivre elles sont en décalage avec la nature. On est déconnecté un peu. Et pourtant là, quand on est là et que ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, là, vraiment, hein, ça fait une sensation que c'est agréable, c'est paisible, c'est... même dans la tête, les pensées elles changent. Ça devient lent, mais en même temps, c'est lent, c'est pas lent, c'est notre rythme. Mais on sent que ce rythme-là, c'est le nôtre, c'est celui qui nous va. Quoi. Parce qu'on est bien, on ne fait rien, on est bien. Alors que dans une ville où si tu vas pas faire des trucs au restaurant, au Luna Park ou machin, tu la télé, tu t'ennuies quoi. Là non, t'es calé, t'es bien, t'as une bonne sensation. Les seules pensées négatives que j'ai, c'est pétard, il va faire chaud, tu aurais dû te lever plus tôt. Voilà. C'est bon quoi. Ouais, là du coup elle a l'air d'aller loin, alors je sais pas dans quelle direction va la route. Et puis je vais prendre là, bien que je suis, il n'y en a qu'une. Et j'espère que ça va continuer dans la forêt. Là je sais pas trop où je vais, je sais qu'au sud il doit y avoir le mont Lozère. Mais bon, je vais voir. Je vais essayer de pas trop rouler. Parce que là depuis 3-4 jours là je cherche à rester le plus longtemps possible dans ce secteur. Et après, dès que je reprendrai la route plus bas, là, les machines connues, ou les grands axes, là je vais filer pour pas... ça vaut pas le coup de rester. Quoi. Thank you.
Alors ça attaque raide avec la montée. Bon, je sais que quand on filme, on ne voit pas les montées. On a l'impression que c'est toujours plat. Mais là, mes jambes, elles le savent. Non, c'est la grosse route. Malgré que ce soit joli, c'est de suite beaucoup moins bien.
Alors là, on est à Prévenchères. C'est à côté du Chassezac. Voilà, ça, c'est la rivière là, c'est le Chassezac. Et du coup, depuis ce matin, enfin, depuis 11h20, on est parti à 11h20. Ce matin, j'ai pris le luxe de... Je me suis payé le luxe de prendre le temps. Et je crois que ça a été le meilleur moment de ces vacances. J'ai eu 90% de descente en gros, et vraiment très peu de montée. Et puis de la descente souvent douce, ça fait que je me laissais aller, j'avais de l'air, enfin qui était derrière. Et des paysages, c'était un régal. C'était vraiment un régal. En fait, j'ai suivi le Chassezac, et j'ai pris au hasard, vraiment. Hein, j'ai suivi au compas, quoi. Sud, tout ça. Et puis ce que je voyais de la vallée. Et vraiment, je me suis gavé, c'est un plaisir mais énorme. Là, c'est 2 heures et quelques, on a fait 25 bornes. Pour vous dire, 25 bornes en descente, on a roulé 2h30, c'est vraiment que j'ai pris le temps, quoi. Et j'ai même oublié de faire voler le criquet, pourtant il aurait pu avoir des chouettes endroits. Mais je me suis régalé, quoi. Mais vraiment. Hein. Ça m'a mis dans un état de paix, de sérénité, c'était... Vraiment top. Bon, maintenant on va manger un peu. Donc petite bière, l'endive, le saucisson, tout ça, la salade. Et voilà, et puis une petite sieste. Et puis bon, par contre là maintenant on est redescendu dans la vallée. Alors on sent la cagne d'un coup. Si on était en gros au début, on était à 1300 mètres, un truc comme ça. Là je sais pas, je ne sais rien. Mais on sent qu'il fait chaud et la végétation elle a changé. C'est plus méditerranéen. Donc bon, on va voir ce qu'il y a ensuite. J'imagine que avec ce que je viens d'avoir là, même depuis hier, en fait ça fait 3-4 jours là depuis que je suis monté à l'Argentière, là, je me régale. Hein. C'est terrible. De passer 4-5 jours là, vraiment top.
Mais viens, on va faire une photo. Oh, d'abord. Oui, non. On est sur la moto maintenant. Et la montée de l'enfer. Ah, voilà, c'est la mort qui tue. C'est pas que la journée n'a pas été dure. C'est bien, foufou. Ah, cette petite vallée, elle me dit bien. On va prendre par là. Et voilà, j'ai pris le premier chemin qu'il y avait, que j'ai trouvé, parce que tous les autres, c'était dès qu'il y a un chemin, il y a une maison où c'est interdit. Et le premier chemin que j'ai trouvé m'a amené au bord de la rivière. Alors juste un peu plus loin, il y a des teufeurs. Ils font le pique-nique, tout ça. Et comme ça, si je manque de bière. Et ben voilà, là, je vais me mettre sur le sable, là. Et ça va être nickel. Ça fait plaisir. Parce que là, c'était 8h30, un truc comme ça, ça commence à être tard. Et chaque fois, c'est tard et je trouve plus rien. Bon, allez, je monte vite tout et je me mets à table. Bon, ben, ça aurait été la journée cyclo de rêve, hein. Vraiment, aujourd'hui. C'est une journée exceptionnelle. Parce que le fait d'avoir quasiment que de la descente, tu forces pas. Un super paysage, t'es au frais, de l'air. Et puis là, en vélo, il n'y a pas de bruit. T'entends les oiseaux, t'entends...
France. Il y a tout qui était beau. Moi, je me suis régalé. Il me reste gravé mon nom dans la tête, ça. Bah, en tout cas, j'aime bien le concept zéro objectif. Même si je roule pas, je fais 3 km, je m'en fous. Et que le seul objectif, c'est d'être peinard. C'est là où j'ai bien profité. Parce que si j'avais fait comme, un peu comme avant, ça aurait duré 2 jours l'histoire. Là, voilà, il y a 2 jours, j'ai fait. Un jour, j'ai fait 15 bornes, je crois. Après, les jours, c'était 40. Avant, jamais j'aurais fait ça. C'était minimum 50 obligatoires. Voilà. Ouais, je me suis régalé. Je recommencerai ce concept-là. Aucun objectif, pas d'endroit précis. Parce que sincèrement, en partant, je ne savais pas que j'allais venir là. Hein. Je ne sais pas où j'allais. J'avais des idées, mais... Ben, ça a été une belle découverte. Même les endroits que je connaissais en bagnole, en vélo, on dirait qu'on n'y est jamais passé. C'est notre monde. À chaque fois, ça fait ça. Comme des fois, les endroits chez moi que je connais par cœur, je passe en vélo, c'est différent. C'est une autre vue. Une boulette. Moi j'attaque toujours les matins par monter. Au moins ça te met en jambe. Incroyable. Oh, il y a des belles bâtisses, hein. C'est joli. Hein. Bon, moi je m'étais imaginé que, vu que depuis hier soir on suivait la rivière, qu'on allait descendre comme ça jusqu'au Rhône. Et puis non, monte des cols encore. Bon, ça va, ça se fait bien. Alors, le soleil, hop. Un peu chaud hein, avec le soleil. Thank you.
possible. Alors on est dans une forêt de bambous, dépaysement total, presque comme à Anduze. Et on va essayer de trouver s'il y a moyen d'aller au bord de la rivière. Là on est passé à Carrefour là avant qu'il ferme, on a eu de la chance. Et voilà, je me suis pris de quoi faire le petit pique-nique. Bon maintenant, rien n'est moins sûr d'arriver là, je vais essayer d'aller à pied pour voir. Quoi qu'elle semble, je sais pas si j'y vois bien, parce que moi je vois rien moi, mais... Il me semble voir de l'eau de là, bon, on va voir. Bon, j'ai posé le vélo. Il n'y aurait pas trop qu'il y a de bord. Hein. Viens, Fofo. Effectivement, il y a l'eau, mais... pas terrible. Voilà, il n'y a pas d'accès, c'est bête. Mais je vais remonter. Dommage, l'eau, elle est là. Oh, c'est cool. Bon, au moins, il y a ça de gagné. Pas trop loin, Boulette. Funky, reviens par là. Et s'il y a des gros silures qui remontent à la surface. Et on reprend la route chaude. J'espère en trouver un coin. Ouais, j'aimerais bien trouver un accès. Moi, ça me donne envie. Deuxième tentative. Somme le boucher. Je vais aller voir à pied si on peut forcer. Alors c'est très piquant, plein d'orties, maman, ils sont énormes. Oh, c'est terrible, il n'y a aucun accès. Putain, il est là. Hein. Ouais, pour elle ça va. Il n'y a pas d'accès, hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, c'est l'heure où j'aurais bien aimé me trouver un coin, hein, l'heure la plus chaude. Je me retrouve sur la pire route. Bon, ça c'est moins bien. Il faudra que j'ai une super matinée. Mais c'est vrai que bon, il n'y a rien qui est fait pour connecter les gens à la nature. Il y a des communes, elles le font, et puis dans d'autres endroits, j'en ai absolument rien à foutre. Quand ils font des accès, c'est parce que il y a du commerce. Bon, ça aide pas les gens ou même les minots à aimer la nature. S'ils n'aiment pas, ben, ils ne respectent pas, c'est tout. Ça n'a rien de marqué, interdit de polluer, personne n'en a rien à foutre. C'est soit tu ne le fais pas parce que tu ne pollues pas, tu respectes pour ce que tu aimes, que tu as appris à connaître. Soit tu vas bien être grossier. Et bon, voilà. On ne sortira jamais comme ça. Ah, c'est la route de l'enfer. Il y a l'eau, t'as tout qui est beau à côté, mais aucun accès. Goudron, bagnole, commerce. Pour l'instant, ça mène à rien. L'eau est là, mais il n'y a aucun accès. Oui, une possibilité là. Là, je vois qu'il y a du monde. Pas forcément. Hein. T'as un accès pour 4 villes. Bon, on va voir. Bon, mais enfin, il y a un peu d'eau. Voir ce que ça donne. Là, ça va, là, là. Là, il y a cette ombre. Il y a cette ombre, mais ça va tourner au soleil. Alors, je propose d'enlever les godasses et de traverser là. Et voilà, on va les mettre là-bas. Et c'est un peu le vélo dans l'eau. Ah, remarque qu'il y avait là-bas. Là, il y a Funky. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais. Voilà.
Ouais, ça fait du bien. J'en avais marre de rouler sur cette grosse route là. C'est trop chaud. J'ai l'impression de pas avancer parce que c'est vachement large. C'est pas agréable. Bien content d'avoir trouvé ce coin, mais oh, qu'est-ce que c'est difficile. Bon, j'ai mis deux bières au frais avec un coca. On va pas être très frais parce que là, ça change les cours d'eau de là-haut. Mais la bière au frais, elle est au frais. J'ai l'impression que tu vas sortir du frigo. Là, bon, comme ça invite à se caler dans l'eau et rester deux heures. Là, c'est beau, c'est nickel, ça me fait plaisir. Là, c'est un bon moment, j'espère. Bon, alors on va regarder ce qu'il y a autour. Je vais essayer de ne pas le cracher. Bon. Je ne suis pas expert, j'apprends. Et voilà. Donc ben, comme il n'y a pas le son, alors il faut mettre de la musique ou quelque chose. Donc musique. Ich habe an die Kosten denke, was kann denn das schon kosten? Die paar Musikinstrumente. Musikinstrumente, ich meine doch die Steuern. Ach, Steuern, das ist auch nicht so arg. Auf meinem Finanzamt zum Beispiel sind sie immer sehr nett zu mir. C'est amusant, c'est joué. Bon, c'était pas terrible autour. Hein. La rivière est jolie. En tout cas, c'est bien, hein. C'est franchement, c'est amusant. Hein. De voir ce qu'il y a autour et tout, c'est nickel. Ça prend pas trop de place, c'est pas trop beau. Faut pas le cracher. Quoi. Moi, il a craché trois fois déjà. Et le premier coup, il y a un peu arraché la patte arrière.
J'ai pu la revisser, ça va, c'est nickel. Bon. Voilà, bon, mais j'apprends. Hein. C'est sûr que les séquences que je fais, c'est pas terrible. Je reconnais. Bon, il va falloir y aller. Je suis bien là. J'aurais envie de rester là, entre la pente là. Et finalement, j'aime bien ce rythme. C'est de rouler le matin, un peu le soir aussi. Bon, si j'ai pris ce rythme, d'habitude, je pars en mai. Là, quoi qu'au mois de mai cette année, là, c'est chaud pareil. Et bon, là, comme on est en juillet maintenant. Du coup, je préfère faire comme ça. Et, par contre, d'habitude, je pars et je compte sur ça pour remincir de tout ce que j'ai pris l'hiver. Et là, j'ai pas minci. Je crois que j'ai regrossi. Bientôt, je ressemblais à Homer Simpson, là, avec la bouée. Et d'ailleurs, c'est déjà. Bon, mais là, on va repartir. Bon, ça va, la chaleur est passée. En plus, là, il y a une grosse route, là. Et quand je dis grosse route, c'est pas beaucoup longtemps, c'est une large route, quoi, avec du trafic. Après, bon, là, c'est un petit moment. Après, je vais essayer de bifurquer, de trouver des petites choses, des petits passages, voir. J'aimerais bien sur l'Aise, là. Et après, bon, là, je suis en direction de l'Aise. Donc après, il y a le Gardon. Et je vais voir. Bon, c'est rien. Je ne mets rien en tête. Au fur et à mesure, en fonction de ce qui m'arrive pour le moment, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce qui me semble, et puis on verra bien. Pareil, ça s'appelle la Madone. Début juillet, il y a tous les blés qui sont fauchés. Même fin juin, c'était déjà le cas. C'est la lune. On y va, droit devant. Mais c'est que ça, c'est précieux ici. Hein. Ici, tout est à sec. Hein. Les fontaines, tout est à sec. Alors ça me change, il va falloir reprendre l'habitude cimetière, stade, mairie, tout ça. Parce que là, autant là-haut, j'avais de l'eau partout, autant là, de l'eau nulle part. Il fait chaud. C'est le soir, là, et il fait la même température que quand j'étais à Langogne à 1h-2h de l'après-midi. Bon, là, on va, je sais pas où, on est à Saint-Denis, ouais. On va direction Uzès, à quelque chose près. J'ai trouvé ce qui semble être une petite route.
tout cas c'est top. Ça va dans la direction que je veux, quoi, à peu près sud-est. Quoi. On va se caler dans la colline. Quoi. C'est une chênerie avec que des chênes blancs. Donc, qui dit chêne blanc dit gland. Qui dit gland dit. On va voir si on veut faire du bordel ou pas. Moi j'ai pas de fruits et de légumes. Ah, si j'ai une endive, une orange qui me reste. On va voir si ça les attire. Les choupis, c'est des petits choupis, et les bébés. Hein? Eh ben oui! Ah, la végétation, elle a changé depuis ce matin. Fini la fraîcheur, fini les sources d'eau jaillissantes, place à l'aridité. La colline gardoise. Voir ce qui se passe par là. Alors on s'est trouvé ce petit coin, bien que c'est à 30 mètres de la route. Bon, ça a l'air propre. Donc il n'y a pas l'air d'avoir. C'est pas le rendez-vous des amoureux, quoi. Je vais voir un peu ce qu'il y a autour, hein. Sinon t'as un scale là et puis voilà. Bon, ben pas mieux, donc bah, du coup on va se caler là. Par contre, ouais, c'est sûr, il y a un bloc de sanglier. Parce qu'il y a toutes les installations qu'il faut pour leur mettre une balle à la tête. Avant que les sangliers dépassent l'homme et que donc, faut les abattre. Tous. Tu n'en restes pas un. Non, ça les embêterait. Ça. Au contraire, il faut qu'ils se reproduisent pour continuer. Bon, ben allez, on va se caler là, c'est le piquant. Et... Alors, je vais mettre le feu de suite aux arbres. Parce que c'est marqué partout. Hein. Pas de feu, pas de feu, pas de feu. Bon, effectivement, si tu fais n'importe quoi là, ça part en fumée direct. Non, mais j'ai pas de feu prévu. J'avais calculé que on serait dans la sécheresse, donc c'est pour ça que. Je m'étais fait le canard au bord de l'eau et que je cherchais un coin d'eau. Absolument. Bon allez, une petite binouze parce que là j'ai tout perdu là hein, en marchant. Tout mon gras et tout, je l'ai perdu, alors il faut que je le reprenne. C'est pour mon régime Simpson. Allez, petite table et tout. Et quand même, ce que faut un débarras là. Mais regarde tout ce que tu te traînes mal. Si c'était sur le dos. Tu vois que c'est le vélo qui porte. Hein. Maman mia. A-t-on vraiment besoin de tout ça? Eh ben oui. Que en vérité, à part la douche solaire et le seau en plastique, tout le reste, je me suis servi. Et, à part le pantalon de pluie aussi. Voilà. Sinon, ouais, je me suis servi de tout. Ça m'a bien fait plaisir. Du coup, je préfère. Faire que ce soit un peu lourd, un peu long, ça moi j'ai le temps. Au moins j'ai mon petit confort partout. Je suis bien, l'autonomie totale. Quand je m'en vais, voilà, je peux partir en me disant je verrai. Et j'aime bien me dire ça, je verrai. Rien calculer, le matin je sais jamais où c'est que je serai le soir. Ça c'est ce qui me plaît dans le voyage en vélo, c'est ça qui est top. Bon, on dépend un peu trop des routes. Hein. Du coup, des fois j'aime bien le voyage à pied aussi parce qu'à pied on est moins dépendant, mais c'est vrai qu'on voyage moins, ça va moins vite. En vélo, on voit plus de choses. Et voilà, à pied je partirai pas en Lozère à pied, c'est faisable, mais c'est du temps quoi. Et là, il n'y a pas moyen. Bon, allez, la petite table et la bière pour refaire le meilleur moment de la journée. Comme ça, j'ai eu deux meilleurs moments de la journée et le matin.
aussi je me ferai meilleur moment de la journée. Alors, ce que je trouve le plus important, la première des choses la plus importante. Voilà. Je les ai mis dans la rivière avant de partir. Fraîche mais pas chaude. C'est la petite salade qui va bien. Donner à manger, on fait le coup. Bon, je crois que je vais pas mettre la tente cette nuit. Ça n'a pas l'air d'avoir de moustiques. Puis il fait chaud. Le temps, je sais pas. Hein. Pour la nuit, je sais pas. Je vais regarder la météo parce que ça veut rien dire, mais. Je vais voir. Mais sinon, si je peux, je vais dormir. Pas très fraîche. Je vais pas mettre la tente. On n'aime pas la mousse. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, pas les cigales, hein. Mais ça c'est un petit renard qui appelle sa mère. Oh pêcheur, j'espère que sa mère s'est pas fait flinguer ou piéger. Bon, j'arrive pas, j'ai pas de réseau donc. J'ai des connexions de données, tout ça. Du coup, pour la météo, je sais pas. Et là, le temps, hein, bon, j'arrive pas à filmer parce qu'il fait pas la mise au point, l'appareil. Il y a des barbules qui se font, c'est 9h moins 20. Il y a plein de barbules qui se créent. Barbule, c'est là où il y a la naissance des nuages. Il y a un aigle au fond, tout à l'heure il a pris une thermique, il est monté en dessous. Il y a de la chaleur là, les cigales se sont remises à chanter. Ça, ça sent le coup que à 2h du matin, il se sort un cumulonimbus et il te claque un orage, tu te prends peut-être pas beaucoup, mais juste pour te mouiller le duvet. Quoi. Je crois que je vais mettre la tente quand même. Il n'y a pas beaucoup et puis il suffit qu'ils disent ça et puis il nous tombe 10 mm à un quart d'heure. Bon, je vais mettre la tente par sécurité. Parce que après la nuit, si tu l'as pas mis et que d'un coup ça se met à pleuvoir, ça va galère. Je vais le mettre avant. Les sangliers sont sortis en nombre. Alors que les mâles déambulent seuls, les femelles se déplacent en groupe, ce qu'on appelle une harde. Elles sont dirigées par une matriarche qui les emmène faire un festin de minuit. Les sangliers n'ont pas une très bonne vue, même de jour. Alors ils utilisent leur odorat pour dénicher de la nourriture et retrouver leur chemin. Les images thermiques montrent également un lien inattendu entre les sangliers et les autres animaux de la forêt. Des chauves-souris volent tout autour d'eux.
Elles dévorent les insectes qui sont attirés par les sangliers ou dérangés par eux.